exceptionnel est arrivé le 8 janvier 1981 à Trans-en-Provence, un petit village du Var situé à 10 km de Draguignan. Le témoin principal de ce phénomène est Renato Nicolai. D'origine italienne, il vit en France depuis 35 ans avec sa femme et mène une vie tranquille et simple dans ce village de Provence qu'apparemment rien ne peut perturber. Et pourtant, c'est ici que s'est produit un événement étrange que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Un mystérieux objet a volé dans le ciel de Trans-en-Provence. Un objet qui soulève la question que l'humanité se pose depuis toujours. Sommes-nous seuls dans l'univers? Un objet qui a atterri ici, dans le jardin des Nicolai, comme le décrit le rapport de gendarmerie. Janvier 1981, 17h, Renato Nicolai bricole tranquillement. Quand soudain, de quelque chose là que quelque chose n'est pas de normal là. Per terra, environ 3 metri, 3 metri e 50 là, su 1,50 metri d'altura là. La place la prévoit exactement que ça pourrait arriver. A-t-il rêvé? Est-il devenu fou? A-t-il eu une hallucination? Renato Nicolai s'inquiète, mais soudain il voit. La preuve qu'il n'est pas fou est là, marquée sur le sol comme une empreinte. Que s'est-il passé? J'ai aperçu delle tracce per terra là, un gel di brûlé, che il avait rippé un po', c'est un gel. Quand mon mari m'a raconté ça, enfin, je croyais, j'ai dit, ça va pas, je sais pas ce qui lui passe ce soir. Je le voyais pas bien. La nuit, j'ai pas trop dormi, je pensais à ça, je disais qu'est-ce qui arrive à mon mari, c'est pas possible, je lui raconte des choses comme ça. En attendant que je ne pouvais pas voir ce qui s'est arrivé, je croyais une chose impossible, vraiment, je ne croyais pas qu'est-ce qu'il avait raconté à mon mari. Après le matin, en me levant, que j'ai vu, avec mes yeux, je dis quand même, avait raison, mon mari, il arrivait quelque chose, vraiment, parce qu'il y avait quand même des empreintes bien importantes, bien grandes. Si vous voyez que c'était passé quelque chose vraiment. C'est là que je suis partie chez Madame Amorin, à la voisine, elle est venue chez moi, et je racontais tout ça, Madame Amorin, elle est venue vite avec moi. Monsieur Nicolai est un monsieur qui est excessivement sensé, très discret, et qui ne raconte pas des histoires pour se faire mousser. C'est pour ça qu'on peut croire ce qu'il dit. Il avait l'air de... d'avoir un peu peur, d'avoir eu un peu peur de ce qu'il avait vu. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé, s'il voulait que j'appelle les gendarmes, parce que ça me paraissait normal. Et j'ai téléphoné tout de suite, parce qu'on n'avait pas le téléphone. Voilà.
Immédiatement, les gendarmes se sont rendus sur place. Car même quand il s'agit d'OVNI, c'est la gendarmerie, en accord avec le Centre National d'Études Spatiales, qui doit dresser le premier procès verbal. Et s'il y a lieu, prendre des mesures, des photographies et des échantillons selon des directives très précises. Et on l'apprend où, attends ? Ce qui nous a décidé à intervenir précisément sur donc le cas Trans-en-Provence, c'est qu'il y avait une très bonne cohérence entre le témoignage et la trace qui était donc constatée au sol. Et les gendarmes, lorsqu'ils ont effectué leur enquête, nous ont confirmé qu'il ne pouvait pas s'agir d'un canular orchestré par l'intéressé, ni même d'un phénomène naturel qui aurait pu être en relation avec, par exemple, un phénomène orageux, puisque nous étions dans une période où le temps était dans cette région de Provence particulièrement stable. Ce 8 janvier 1981, aucune anomalie n'a été détectée par les radars. Pourtant, cet objet volant a bien atterri dans le jardin de Renato. Il a laissé une trace. Alors, que s'est-il passé? Cet engin pourrait-il provenir de la base militaire située à quelques kilomètres de là? Les autorités militaires sont formelles. La Défense nationale est à l'heure actuelle incapable de réaliser un engin qui puisse se déplacer sans bruit et atterrir de cette façon. Mais alors, cet engin ne serait pas d'origine terrestre? Les plans prélevés par les gendarmes lors de leur enquête vont-elles élucider le mystère? Selon nos directives, les gendarmes avaient effectué des prélèvements qui nous ont fait parvenir, et étant donné que c'était la première fois qu'il y avait ce genre de traces, nous avions un laboratoire qui était celui du professeur Bounia à Savinra, qui était prêt à intervenir pour faire des mesures sur les végétaux. Pendant 30 jours, les plantes seront entreposées dans les réfrigérateurs du laboratoire du professeur Bounias, en attendant que le Centre National d'Études Spatiales décide officiellement de lancer les analyses. Dans les échantillons que m'ont amené les gendarmes, il y avait des feuilles de luzerne sauvage de différents âges qui étaient vertes, qui ont un aspect tout à fait normal, sauf qu'elles avaient été desséchées pendant le transport et la conservation. Le professeur Bounias va constater un phénomène inexplicable, une première scientifique. Les composants chimiques des feuilles prélevées sur la trace sont les mêmes que ceux de la luzerne, mais les proportions sont inversées. Les premiers éléments recueillis au niveau des analyses nous ont montré qu'effectivement il y avait des effets tout à fait particuliers qui ressortaient en ce qui concernait le sol. Et à partir de cet instant, nous voulions approfondir cette affaire, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'intervenir directement sur les lieux en complément de l'enquête des gendarmes. C'est ainsi que nous nous sommes déplacés sur le site, et à ma grande surprise, 30 jours après, l'empreinte était toujours visible sur le sol. Pour la première fois, il y avait une empreinte mécanique, et cette empreinte mécanique, elle est un petit peu comme une plaque photographique, nous révélait quelque chose. Regardez ça plus précisément. Ah oui, il y a un dépôt sous la croûte, on voit bien la forme de... C'est une pression sur le sol. Nous sommes confrontés à un mystère qui est celui d'un objet qui est venu atterrir très précisément dans cet endroit et qui demeure aujourd'hui encore pour nous une énigme dans la mesure où nous n'avons pas la capacité de pouvoir concevoir et réaliser de tels engins. Pas
une centrale nucléaire en termes de puissance énergétique nécessaire pour pouvoir générer de tels effets de poussée pour déplacer cet objet. Par conséquent, je ne sais pas quelle peut être l'origine de cet événement. 10 ans après, Renato Nicolas et sa femme ne savent toujours pas ce qui a atterri dans leur jardin. Ils espèrent une réponse que les scientifiques n'ont toujours pas pu leur donner. Je crois que globalement, l'idée fait progressivement son chemin, mais qu'après tout, il existerait peut-être dans l'univers d'autres civilisations qui pourraient, pourquoi pas, nous rendre visite. Les analyses ont permis d'affirmer qu'il s'est réellement passé quelque chose d'étrange à Trans-en-Provence. Mais quoi? Après 10 ans d'études approfondies, il n'y a toujours pas de réponse. Cette affaire de Trans-en-Provence m'a permis de réaliser une étude très complète, telle que lorsque j'ai pu en discuter avec des collègues américains qui m'ont dit qu'au fond, c'était la première fois au monde qu'une étude scientifique aussi complète était réalisée sur un cas d'OVNI au sens général du terme, bien entendu. Donc dans ce sens-là, l'affaire de Trans-en-Provence, c'était bien scientifiquement une première mondiale. Les analyses des plantes, de la terre et du sol ont prouvé que Renato Nicolai n'avait ni rêvé, ni menti. Existent-ils? Viennent-ils nous rendre visite? Curieux mystère qui fait appel à notre imaginaire. En tout cas, pour une fois, on peut sérieusement se demander s'ils n'ont pas laissé une trace. Cette trace, c'est dans le sud de la France qu'ils l'ont laissée, plus exactement à Trans-en-Provence, à 7 km au sud de Draguignan. Pourtant, X, nous avons mené l'enquête et même procédé à une reconstitution. Mais d'abord, il fallait trouver le témoin, et c'est évidemment aux gendarmes que nous nous sommes adressés. Capitaine Cormier, vous commandez la compagnie de gendarmerie de Draguignan. Alors, première question, qu'est-ce qui se passe quand un témoin d'atterrissage d'OVNI vient vous voir? Bon, comme toute personne qui demande notre concours, nous nous déplaçons, nous rendons sur place. Nous procédons aux constatations sur le terrain de manière très objective. Pour nous, le problème n'est pas de savoir s'il s'agit d'un ovni ou toute autre chose, simplement de constater ce qui est réellement sur le terrain. Et alors, est-ce qu'on peut dire que vous garantissez l'anonymat aux témoins ou pas? Bien sûr, comme dans toute procédure, toute personne qui demande à garder l'anonymat, nous pouvons lui préserver sans aucun problème. Le droit nous y autorise pleinement et personne ne peut nous faire dire qui a l'arrêt ces choses. Bref, la gendarmerie ne pouvait rien pour nous. Mais heureusement, la presse locale en avait parlé, et en cherchant un peu, nous avons trouvé. Alors voilà, nous sommes sur les lieux de l'atterrissage qui s'est produit ici même, le 8 janvier 1981, dans ce petit bout de terrain situé dans le Var, en France. Alors, nous avons pu reconstituer l'enquête. Cette enquête, nous avons fait comment? Nous nous sommes procuré le rapport qui est du domaine public, un rapport du GEPAN, le groupement d'études des phénomènes aériens non identifiés. Ce rapport, c'est analyse d'une trace, c'est le numéro 16. Alors, il raconte quoi? Il raconte le témoignage, évidemment, mais aussi et surtout l'avis des scientifiques qui ont travaillé les uns sur les échantillons prélevés sur le site même. Je le rappelle, c'est ici, nous y sommes. Et puis, l'avis, évidemment, d'un physicien qui a travaillé sur le problème. Est-ce que les soucoupes volantes existent? Remontons donc un peu dans le temps. Nous sommes dans le Var, le 8 janvier 1981. À 17h, le témoin, Renato Nicolai, est en train de construire un petit abri pour sa pompe à eau. Soudain, un bruit curieux attire son attention.
C'est un engin de forme discoïdale qui apparaît au-dessus d'un pin et vient se poser dans son jardin. Pour nous, après avoir longtemps hésité, Renato Nicolai a bien voulu revivre la scène, aller de l'abri aujourd'hui terminé à son cabanon et nous montrer comment il a pu regarder l'engin d'où il était. Et voici ce qu'il a peut-être vu. Par rapport à la machine volante, il était là. Et c'est de cette place qu'il l'a vu s'envoler. Puis il s'est approché, intrigué. Il avait peut-être rêvé après tout, mais un rêve ne laisse pas de traces physiques au sol. Or là, il y en avait une et de taille, 2,50 m de diamètre. Une trace qui, sur les instances des gendarmes et du GEPAN, devait être analysée un mois plus tard. Or, malgré la pluie et le temps passé, elle devait réserver bien des surprises à l'équipe du docteur Bougnas, directeur du laboratoire de biochimie de l'INRA, l'Institut National de Recherches Agronomiques. Nous sommes donc allés le voir en Avignon. Alors, docteur Bougnas, quels sont les résultats des analyses que vous avez entreprises ? Et nous sommes aperçus que la composition variait dans la cellule végétale entre les échantillons situés au voisinage immédiat, voire même au centre de la trace du phénomène, et des distances de plus en plus éloignées. Nous avons trouvé des écarts considérables entre les concentrations en certains pigments photosynthétiques, dont les chlorophylles et les caroténoïdes, et puis en d'autres substances biochimiques qui s'apparentent au sucre, ce qu'on appelle les glucides ou les acides aminés. Donc des différences allant quelquefois dans un rapport de 1 à 10, ce qui montre bien qu'il y a eu une sorte de traumatisme biochimique. Bon, mais vous avez trouvé aussi quelque chose de plus curieux sur les jeunes pousses. Ah oui, alors là, en effet, en analysant des témoins, donc des plantes non exposées, situées à une distance assez éloignée du phénomène, et en comparant des jeunes feuilles, celles que nous avons analysées au voisinage de la trace, et des feuilles plus âgées, dans certains cas, on peut interpréter une partie seulement des résultats obtenus comme un symptôme de vieillissement anormal de jeunes feuilles. Alors, docteur Bougnas, où en est-on sur cette affaire pour l'instant ? Pour le moment, par définition, on ne peut rien dire. Et nous ne pourrons peut-être dire un jour quelque chose que lorsque nous aurons pu comparer les effets observés dans cet exemple-là avec ceux que nous aurions pu provoquer en utilisant des effecteurs, c'est-à-dire des causes chimiques ou physiques bien déterminées. Et c'est par la comparaison des symptômes observés dans les deux cas que nous pourrons peut-être, par recoupement, émettre quelques hypothèses. Ces hypothèses, c'est avec Jean-Pierre Petit, physicien, maître de recherche au CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, que nous sommes allés les étudier sur le terrain. Pour commencer, sur les indications de Renato Nicolai, il a fait quelques croquis. Comme ça. Et alors, en dessous, ici, on voit un peu ses pieds comme ceci. Voilà. Et alors là, on a deux orifices comme ceci, qui sont un petit peu des trous. Après ce travail, nous avions une idée plus précise de ce qu'il avait vu, mais ce n'était pas encore suffisant. Nous avons donc fait réaliser une maquette par les élèves des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence et nous l'avons apportée sur les lieux. Alors cette maquette n'est pas tout à fait conforme. Non, ça non. Il y avait une sorte de face plane comme ça ici, de bande plane, de bande plane. Mais la dimension, c'est à peu près ça. La dimension, oui, pourquoi ? Là, ça vient un peu plus Un peu plus plat, mais la largeur et la hauteur, c'était à peu près oui, ça. Oui, moi, c'est 50 environ, tout dans la surface. Et la couleur, c'était bon aussi. Oui. Et il n'y a pas eu de poussière, alors ? Il n'y a pas eu de poussière ou... Ah, non, juste une idée de poussière. Là. C'est quelque chose comme ça. Et là, il est descendu du pain, là-haut ? Ah, moi, quand j'ai l'aperçu, moi, qu'elle est en train de travailler, là. Hein. Oui, oui. L'aperçu, là. Avec un très faible sifflement. Oui, un petit sifflement, comme du vent. Ça ressemble à ça. Voilà, la fin. Sur la fin. Non, on va en écouter un autre. Non, c'est vraiment celui-là. Renato avait aussi parlé de sifflement. Nous lui avons donc fait écouter une série de bruitages et il en a reconnu un. C'était très bref.
Non, ça va, celui-là qui était avant. C'est vraiment celui qui était avant? Bon. Regardez bien ces images, c'est la première fois qu'elles sont diffusées. Elles ont été filmées dans le laboratoire de Jean-Pierre Petit à Aix-en-Provence, où il étudie la MHD, la magnéto-hydrodynamique, un mode de propulsion tout à fait révolutionnaire. Alors Jean-Pierre Petit, quel est le rapport entre les ovnis, les soucoupes volantes et la MHD, les travaux que vous poursuivez? Ben, moi je pense qu'il y a trois façons de voler. La première, ça consiste soit à battre des ailes, soit à faire tourner une petite hélice pour aspirer l'air. La seconde, c'est la propulsion par réaction. On éjecte un gaz auquel on communique de la vitesse. Et puis une troisième façon qui est un petit peu inexplorée consiste à aspirer l'air qu'on a au-dessus ou devant. Alors si vous mettez dans une pièce et que vous aspirez comme ça, un grand coup, tout l'air qui se trouve au-dessus, mais très fort, ben, vous risquez de vous envoler. Et à ce moment-là, une machine de genre évoluerait en créant une sorte de vide partiel devant elle. Et dans des expériences de simulation hydraulique, on a montré justement que ces forces de la place, cette action MHD, créent justement cette dépression devant une machine. Qui vole à ce moment-là un peu comme une taupe qui creuse son tunnel aérien et se propulse là-dedans. Alors ça nous amène à un deuxième aspect, c'est qu'il y a une dizaine d'années, Evry Schatzman, qui est le président de l'Union rationaliste, avait eu le discours suivant, les ovnis ça ne peut pas exister, parce que les témoins disent ça va très vite, ça va de toute évidence à des vitesses supersoniques, or à une vitesse de genre on devrait avoir un bang supersonique, or les gens disent c'est silencieux. Donc comme ça ne peut pas être silencieux, comme ça devrait faire une onde de choc, un bang, alors ça ne peut pas exister. Alors en 1975, je me suis vraiment reposé le problème en profondeur et je pense que le vol supersonique sans onde de choc et sans bruit est une chose faisable. Alors, au départ, l'accueil a été vraiment très très polaire de la part des scientifiques et puis année après année, cette thèse s'est confortée. Et bon, ça ce sont des rapports, il y en a plein les tiroirs des ministères, mais plus récemment, en septembre 83, j'ai publié deux articles au 8e colloque international de magnéto-hydrodynamique de Moscou. Et puis quand même, comme je pense que les gens doivent être informés du contenu de ces travaux-là et de l'enjeu qui se trouve derrière, j'ai même fabriqué une version grand public qui est cet album dans la série des aventures d'Anselme Lanturlu qui est paru chez Belin. Et qui porte un nom très évocateur, c'est le mur du silence. Effectivement, le problème, c'est de voler sans bruit, donc de franchir non pas le mur du son, non pas le mur de la chaleur, mais le mur du silence. Pour finir, où est-ce qu'en sont ces travaux vis-à-vis de la communauté scientifique? Bon, il y a 7-8 ans, c'était le blocus et l'hostilité. Maintenant, je ne crois plus qu'il y ait d'hostilité. Mais lorsqu'on pose la question, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on essaye de démarrer des recherches concrètes, eh bien, les couloirs sont vides, les téléphones ne répondent pas, les gens ne sont plus là. Et on peut se poser la question, pourquoi une telle attitude face à ce problème qui est rationnel, qui budgétairement est tout à fait modeste, qui scientifiquement est tout à fait construit? Bon, ne pas trouver de répondant, la seule explication, moi ça me semble être la peur. Ils ont vraiment peur qu'on aborde ce problème-là de front. En résumé, après notre enquête en Provence, que reste-t-il? D'abord, une trace inexplicable qu'on ne peut pas remettre en cause. Ensuite, une analyse du terrain qui, pour l'instant, sème le doute et, bien entendu, la preuve que le témoignage de Renato Nicolai est à prendre en considération. Il s'est réellement passé quelque chose à Trans-en-Provence le 8 janvier 1981. Enfin, des travaux spectaculaires sur un procédé de conversion directe de l'énergie qui pourrait être une partie de la solution. Une partie seulement, c'est vrai. Mais encore fallait-il oser se poser des questions. Reste à continuer. En attendant, ce qui est fabuleux, c'est que même si l'engin de Trans-en-Provence ne vient pas d'ailleurs, mais des laboratoires secrets d'une quelconque nation terrestre, même si, allons plus loin, il s'agit d'une aberration physique dont on trouvera l'explication dans 10 ans, même si au fond, les soucoupes volantes extraterrestres n'existent pas, Jean-Pierre Petit les a quand même inventées. Et c'est sur la Terre.